Я уйду тихо, ни к чему овации. Заметил чью-то тень краем взгляда, и острая коса мелькает где-то рядом. Жду апокалипсис. Regardez la qualité, mon gars, c'est ça qu'on veut ici, PSG M2G, VS contre Barcelone, FC Barcelone. Ça c'est pas beau ça, c'est magnifique. Allez, c'est parti. La rencontre du jour va se disputer dans ce stade. Belle arène. Déjà, il n'y a pas un retour pour dégager la vue, donc il n'y a pas mal. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. La composition de l'équipe visiteuse à présent. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur en 4-3-3. C'est sans surprise. Attention au tir. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. Ah, ça se passe pour Luis Suarez. En profondeur, oui, bien vu. Gardien qui se détend parfaitement bien. Un ballon qui sort en corner pour le PSG. Premier corner, mine de rien. C'est... La frappe. Corner. Bien frappé avec un tir. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait plus. Ouais, ils ont bien l'impression. Comme quoi, ça joue pas grand chose parfois. Ballon perdu. Bien, il choisit la frappe. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Et ce match qui marque le retour de la plus prestigieuse de toutes les compétitions européennes. Et les mois qui viennent, on va pouvoir admirer ce qui se fait de mieux sur le continent. Oui, c'est sûr que les soirées de la Champions League, c'est sûr. Les plus belles, les plus passionnantes, là où il y a le plus de suspense. Le corner en direction du point de pénalty. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ça va bien jouer. Les places de qualification promettent quand même d'être assez chères dans ce groupe. Ouais, on a coutume d'appeler ça le groupe de la mort. Ça vaut du rêve, c'est sûr, mais au moins ça annonce la couleur. Si tu laisses des points en cours de route, t'es mal. Le Messi qui sera comme toujours à surveiller de très près. Parce qu'avec lui, oui. Messi, on s'est contré ce tir. Attends, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Très appliqué, Coutinho sur ce corner. Le gardien qui peut foxer ce corner. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Il prend sa chance. Bien repoussé par la. Hors-jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. Luis Suarez. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Steven Darwin. Attends, un match plutôt. Attention, il y va tout seul. Et le gardien qui remporte son duel. Il décale vers Messi. Non, elle est interceptée cette passe. Gareth Hendricks, Pablo Rosario. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. De Jong, Gaston Pierre. Il récupère le ballon sur cette interception. Luis Suarez. Ça sort, ce sera donc un corner. Écarte la main, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Voilà, on sent que l'arbitre a hésité.
Coutinho pour un Suarez. Oh, putain, Suarez, c'est encore un corner. Ah, très impliqué, Coutinho sur ce corner. Le gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Rakitic. Busquets. Suarez. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Enfin, il donne passe directement à l'adversaire. À la main. C'est une touche pour le PSV. Ah, le PSV devait. Pablo Rosario. Gaston Pereiro. Avec De Jong. Sergio Busquets. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Ivan Rakitic. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Et Coutinho. Non, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Il est en possession pour centrer. Ouais, ça n'est pas loin, c'est repoussé. Alors ça, c'est n'importe quoi, c'est pas complètement un adversaire direct. FC Barcelone, véritable institution en Catalogne. C'est presque l'équipe nationale, hein, le Barça. Enfin, oui, je comprends pas pourquoi on dit que c'est une équipe spéciale, parce que des Catalans, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai qu'il y a une identité, que quand on porte ce maillot, on se sent investi d'une mission, même quand on est un joueur étranger. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Messi. C'est des genoux. Ah, la parade du gardien. Ça sort en corner pour le Barça. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Attention, le corner, le gardien qui boxe sur le ballon. Ouais, la frappe. Oh, il la repousse encore. Ballon intercepté sur cette passe de Gérard Piqué. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Allez, tente la petite passe aérienne. Bergwijn, le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Bonjour les gars, continue comme ça, bonjour. Moi, c'est mon cochon. C'est mon côté, les gars. La suite de ce premier match de la phase de groupe. Ouais, on repart pour 45 minutes. Bien avec Lozano. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Le Suarez. Il lève la tête, il va centrer. Voilà, papa. Oh, le but. Le premier but dans ce match. Voilà, c'est ça, c'est pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri. La bonne dame. Ma bonne dame, il a dit. Mais quand on voit un geste de telle portée, je demande ce que peut faire le gardien face à un tel plus de bruit comme ceci. C'est ça. Rakitic, Luis Suarez, Coutinho, Ousmane Dembélé. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Hein. Il a bien calé son duel face à la tête. Contré. Ah, ça ne passe pas. On va avoir cette touche. Ousmane Dembélé. Ils ont bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Un prochain arrêt de jeu. Le buteur va faire rentrer un petit peu de son neuf. Et ce sera pas mal, oui. Sergio Busquets.
Ce sera sans problème pour le gardien sur cette tentative un peu culottée. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Bonjour Busquets. J'en reviens là-bas. Mariana. Coutinho. Milan Rakitic. Ils font tourner. Allez, Suarez. Voilà. On sent l'équipe qui a pris la mesure sur les personnes. On va faire une coupe. Il était déjà considéré comme la plus forte en termes de points. Il ne déçoit pas qu'elle prenne le jeu. C'est logique de l'avoir prendre le dessus. Ernesto Valverde qui procède à un changement. C'est Philippe Coutinho qui va quitter le terrain. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Castelnuovo. Avec De Jong. Steven Dalling. Steven Dalming. Ouais, le 1-2. Attention à la frappe. Arrête le gardien. Ouais, la passe en profondeur, attention. Oh la faute, putain, qui sort. Attention là où je prends un carton jaune. C'est Didier, putain, là, tout le monde est là. Un carton jaune. Il va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. En fait, le son de Bédrette hein, sur ce tacle. C'est un peu emporté sur cette analyse. Le mur qui il est vraiment à 9,15 m maintenant. Le casque de Pedro. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. De Suarez. Ousmane Dembélé. C'est pour Léo Messi. Pas grave. Bro. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le FC Barcelone qui récupère. Samuel Umtiti. Suarez. Sergio Busquets, pur produit du centre de formation. Elle, la voilà la frappe. Oh, sur le poteau. Alors, jeu qui est signalé. Ah, c'est dommage pour le joueur qui finit. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. On en entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. De Jong. On devrait avoir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Au moins, on ne pourra pas reprocher à l'entraîneur de ne pas avoir tenté le tout pour le tout. Le changement de tactique est certes radical, mais c'est l'attaque qui va être privilégiée. Maintenant, le ballon est perdu. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Elle cède donc sa place après une très belle prestation. Il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match. Ivan Rakitic qui perd ce ballon. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Oh, il passe. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire? Il tire. Gaston Pereiro.
avec De Jong. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ah non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Luis Suarez. Oh, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. Ousmane Dembélé. Oh, le ballon qui heurte le poteau. Tires. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. C'est une belle occasion. Angelino. Non. Alors ça c'est n'importe quoi. Mauvais. Eh oui, c'est devant. Oh attention, parce que cette équipe peut encore revenir et arracher le score de parité. Ah, ce serait dingue comme scénario, mais c'est pas impossible. Suarez, la frappe, il repousse le tir. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Voilà, le coup de sifflet final par l'arbitre qui clôt ce match de phase de groupe de la Ligue des Champions. Et cette équipe qui peut espérer se qualifier grâce à cette victoire, ce succès. Et on revient en deux sur la prestation de Luis. Non, t'as loupé gros. Oh merci. Salut tout le monde, quel bonheur de se retrouver pour une nouvelle rencontre dans ce groupe. Mais dans un court instant, c'est Tottenham qui affrontera le FC Barcelone. Bienvenue, merci de nous avoir choisi pour suivre cette rencontre de la deuxième journée de l'UEFA Champions League. En même temps, s'ils veulent jouer, ils n'ont pas le choix. Cette rencontre va nous permettre de suivre Tottenham face au FC Barcelone. Voici le rôle de départ de cette équipe de Tottenham. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. La composition qui s'affiche à l'écran. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Ivan Rakitic. Sergio Roberto. Suarez. Luis Suarez. El Pistolero. L'un de ses surnoms. Un peu trop là aussi, ça tombe. Le Pistolero. Sergio Busquets. Bon gisement du défenseur sur cette interception. On a un souvenir pire que tout le monde avait repéré ce match, hein, le jour du tirage au sort de l'UEFA Champions League. Ah, c'est bien donné ça. Minson. Il pique son ballon. La bonne parade du gardien qui conserve bien son ballon dans les bras. Allez, Alba. Coutinho. Sergio Busquets. Deuxième journée, et puis avec un objectif clair et net pour toutes les équipes qui jouent cette semaine. Prendre les trois points, se lancer vraiment dans cette compétition. Oui, on est dans une phase de mini-championnat où il faut quand même un peu sortir la règle à calcul, sauf pour les grands clubs qui doivent écraser tout le monde. Serge Aurier, Harry Kane, Christian Eriksen, il centre au second poteau. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu.
Suarez. Ah, on connaît les qualités techniques de Luis Suarez, son habileté devant le but. Il a la puissance. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Lionel Messi. Il n'y avait plus que le gardien à battre, dommage. Ouais, il faut dire que le gardien lui a bien fermé l'angle et qu'il ne s'est pas trop livré. Hamilton. Eriksen. Bonne anticipation sur cette interception. Lionel Messi. Luis Suarez. Ouais, ça recule. Messi qui prend sa chance. Ouais, pas de soucis. Le gardien qui capte bien ce ballon. Luis Suarez. Ah, c'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister, Pierre. Ça, c'est que c'est loin d'être joué. Il faudra rester concentré et appliqué. Mais je pense qu'on va avoir une belle rencontre. Suarez. Oh, la belle passe de Luis Suarez. Magnifique. Oh, ballon de but pour Coutinho. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Ah, c'est récupéré par Jordi Alba. Luis Suarez. Messi. Sergio Roberto. Ils construisent, ils font tourner. Et le duel remporté dans sa surface. Christian Eriksen. Hamilton. La percée de Tottenham qui ne va trouver personne pour l'enrayer. Il prend sa chance. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Wanyama, Dele Alli, Christian Eriksen, Harry Kane. Très bien taclé, le ballon qui n'est pas personne. Ivan Rakitic. Sur le côté vers Messi. Ah, il y avait Dele, mais c'est intercepté. Hamilton, Harry Kane. Intervention de Piqué. Wanyama. Eriksen. Ah, un bon ballon d'attaque. De Suarez. Coutinho. Ousmane Dembélé. Suarez. Oui, le bon ballon là de Luis Suarez. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Messi. Dele Alli. Eric Dier. Dani Rose. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ousmane Dembélé. Attention à la frappe. Gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Barça qui va bénéficier d'un corner. Très impliqué. Coutinho sur ce corner. Messi. Et repousse le tir. Et ça, Jean-Louis qui dégage. Coutinho. Ivan Rakitic. Et Blauna qui plonge le ballon. Le magnifique but d'Alex. Quelle frappe, ma gueule. Il a mis toute sa puissance. La cristalle, c'est gros. C'est impressionnant. Et on pensait que c'était un peu présomptueux de tenter sa chance aussi loin. En fait, il a eu raison, hein, de suivre son instinct. Cette frappe lourde avec ce super ralenti, on en profite pleinement. Le FC Barcelone qui mène maintenant dans ce match. Wanyama, Preston John, Christian Eriksen. Dele Alli. On pourrait s'amuser à compter les participations du Barça à cette phase de groupe. Mais bon, ce serait quand même un petit peu long. C'est vrai que ses absences en Ligue des Champions sont aujourd'hui. Ah, la belle passe de Rakitic. Ça, c'est plutôt moyennement joué. Corner. Hamilton. Eric Dier. Désolé pour le petit bug là, il y a un petit bug là. Excusez-moi les gars.
putain, c'est quoi ce bug là?